Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour le remake de Resident Evil, donc le chapitre 6, si je dis pas de bêtises. Donc on va charger la partie. Donc la dernière fois qu'on s'était arrêté, j'étais arrivé dans le... Comment il l'appelle déjà? J'aurais dû regarder, c'est marqué dans la sauvegarde, j'ai juste voir vite fait. C'est, voilà, ça doit être résidence je pense, remise de la résidence je pense. Donc la résidence du gardien, on connaît bien dans l'original. Moi je l'appelle plus la cabane du gardien, c'est un peu plus sommaire ma manière de décrire l'endroit. Donc je vais poser les rubans, il faut mieux que je les mette en bas, je vais les combiner avec le reste. Tac. Le couteau je le garde, puisque vous allez comprendre pourquoi assez rapidement. Et puis c'est tout normalement, hein. Y a pas, de toute façon j'ai pas de clé, y a rien, donc c'est bon, on peut y aller. Donc il y a un petit réservoir de kérosène, mais on va éviter de s'en servir, comme j'ai dit. Donc voilà, on va commencer à explorer la résidence du gardien. Alors je vérifie si j'ai rien oublié dans cette map. Apparemment c'est rouge, donc j'ai encore oublié des choses, peut-être ici. Je sais pas ce que j'aurais pu oublier, mais... Ah, c'est quoi? Une bombe de pesticides pour les fleurs, oui. Y a pas de... Ah oui, d'accord, ok. Moi, ouais, j'avais même pas vu, quoi. L'autre plante bleue, ok. Donc là, c'est bon, ouais. Bon, je vais la poser, celle-là. Ah bah oui. Elle est devant moi, mais ouais, je la voyais pas. Elle était dans le coin, un petit peu sombre, donc du coup, j'ai pas fait plus attention. Je pensais que ça faisait partie du décor. Eh ben non, c'est une autre plante bleue. Donc du coup, on a trois plantes bleues. Donc c'est pas plus mal, puisque là, ce que je m'apprête à faire, c'est des risques à être empoisonnés. Bon, on verra comment ça se passe, parce que ça, elles sont pas très costauds, mais... Je vais essayer de me débrouiller pour pas trop morfler. Donc par contre, cette porte-là est fermée. Donc le chiffre 001 est inscrit, donc c'est la première chambre. Mais dans l'original, c'était ouvert ici, par contre. Il n'y avait pas besoin de clé. Par contre, là, c'est toujours ouvert. Donc ici, par contre, il y a beaucoup plus de choses à faire que dans l'original. Et il y aura aussi des bestioles qu'on connaît bien, les araignées. Et on va essayer de les cutter. On va essayer de faire le fou. Ah merde, j'ai pas eu le temps de me barrer. Donc elles ont pas énormément de vie. Oh putain, mais j'ai pas de chance, j'arrive pas à esquiver leur jet. Voilà, forcément, je suis devant. Donc, vous voyez, on se fait empoisonner, là, donc... Ah, je crois que je vais me faire buter. Ah, il y a une plante verte. Tac. Mais normalement, j'arrive à les buter plus facilement. Je crois que je vais essayer de la chevaux au flingue, ça va être plus simple. Voilà. Bon, super, j'aurais dû mettre un ou deux coups de couteau et c'était bon, quoi. Mais normalement, j'arrive à faire mieux que ça pour les tuer. C'est un petit peu comme la grosse qu'on verra plus tard. Vous savez, quand je l'ai esquivé dans l'original. Bon, dans l'original, je la tapais pas. Mais là, c'est un peu le même principe. Il faut juste tourner autour, se retrouver derrière et foutre des coups de couteau. Mais bon, là, je suis complètement loupé. Ce qui est dommage. Donc, elle m'a empoisonné, du coup. Bon, je voulais économiser des munitions, mais finalement, c'est pas très, très rentable. Voilà, donc c'est déjà un petit peu plus... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié le briquet, ça. Donc je vais y retourner. Bon, je récupère les plantes, déjà. Donc, par contre, oui, il y a du soin, déjà. Et puis, il y a une autre énigme à faire par rapport au jeu original. Parce que au jeu original, en fait, il y avait quoi, déjà? Je crois qu'il y avait un chargeur, un ruban, enfin, des rubans, et c'est tout, quoi. Que là, il y a un petit peu plus de choses à faire. C'est pas non plus un truc de fou, mais... Mais voilà, c'est à savoir. Moi je vais continuer. Je sais pas s'il y a d'autres objets à prendre. Donc il y a des posters un peu de... Je sais pas s'il y a des commentaires dessus. Ah même pas. Ça aurait été marrant que G, justement, vu que c'est une femme, qu'elle fasse un commentaire un peu... du genre un petit peu à montrer que c'est un peu dégradant pour l'image de la femme. Un truc comme ça aurait été assez drôle. Mais non, il n'y a pas ce genre de commentaire. Donc ici on va revenir parce qu'il me faut le briquet, ça j'ai oublié de le prendre. Ici je sais plus s'il y a des objets. Ah, il y a des munitions de pompe déjà. Il y a un autre truc là-bas.
un bouquin. Ah bah heureusement que je l'ai pris celui-là. Un kit de soins. Ah là c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Donc là le kit, je vais l'ouvrir et je vais voir ce qu'il y a dedans. Parce que vous voyez que je suis en rouge, donc le poison peut sûrement me tuer dans ce jeu-là. Donc on va voir ce qu'il y a. C'est un mélange d'herbes, vertes et bleues. Bah parfait, comme ça il va me soigner maintenant. Donc je vais l'utiliser. Tac. Non, c'est pas utilisé, voilà. Hop, et c'est reparti, impeccable. Donc comme ça, je serais pas venu pour rien. Et après, bon, je pense que j'ai fait à peu près tout le tour. Il n'y a pas non plus 30 000 objets, je pense. Ouais, donc c'est bon, j'ai tout pris. Donc ça, faut l'utiliser assez régulièrement, la carte. Hein. Faut pas avoir peur de s'en servir, hein, c'est fait exprès. Et puis en plus, vu qu'elle donne les indications pour dire qu'il y a telle ou telle chose à prendre, bah autant s'en servir quoi, je veux dire, ça coûte pas plus cher. Parce qu'il y a quand même pas mal de Wakefulmaker qui s'en servent pas, et ça je trouvais assez flagrant, c'était sur Dailymotion, j'avais vu un... J'allais dire un YouTuber, mais non, puisque c'est sur Dailymotion, un Dailymotioner, non. C'est un Motion Maker, je crois qu'ils appellent là-bas. Et c'est un petit, il est pas très connu, hein, c'est pas Moondark. Mais il avait fait Wakefulmaker sur Resident, sur celui-là. Et le mec, il utilisait jamais sa carte. Il était tout le temps en train de se perdre. Il cherchait tout le temps dans les décors s'il y avait des trucs. Il utilisait jamais sa carte. Alors que, je sais pas, la carte, elle est pas là pour décorer, quoi. Autant s'en servir, quoi. Mais non, je sais pas, il y en a, ils sont bornés. Ils veulent pas utiliser leur carte. Pas chercher à comprendre. Donc là, il y a un petit dessin qui va nous servir pour plus tard. Je crois qu'on peut l'ouvrir, mais il y a rien de spécial. Peut-être un truc dedans. Non, c'est blanc, c'est bien ce que je pensais. Donc, il n'y a pas besoin de le prendre. On va le reposer ici. Donc, la première araignée, c'est bon. Et apparemment, j'en ai pas vu d'autres. Ça, c'est un commentaire que j'ai pas fait avant, mais je trouvais ça bizarre. Ou c'est parce qu'avec Chris, il y en a plus. Parce qu'avec Chris, il me semble qu'il y en a deux, voire trois. Que là, il n'y en a qu'une. Mais il me semble qu'il y en a minimum deux avec Chris. Après, ça dépend peut-être du mode de difficulté, mais là, vu que je suis en normal, apparemment, avec Jill, il n'y en a qu'un, mais en normal avec Chris, je suis quasiment persuadé qu'il y en a minimum deux. Parce qu'il y en a forcément une ici, comme on a vu, mais il y en a aussi une autre qui est suspendue, mais là, on la voit pas. Donc, c'est peut-être parce que je suis avec Jill, je pense. À moins que, je vais vérifier, mais... Ah si, elle est là, vous voyez. Donc, c'est celle-là. Je sais pas si on peut la cuter à travers. Ah ouais. Du coup, elle va se planter, je pense. Bah, je vais la buter, du coup. Donc, vous voyez, il y en a deux, quand même. Ah, je sais pas si elle va venir. Ah, si, elle vient. Allez, mangue ton cul, là, que je te bute. Je sais pas si je peux la cuter, là, non. Pas moyen. Bon, elle va rester buggée. Bon, allez. On va pas te faire chier, hein. Reste où t'es, c'est cool. On va écrase de l'acide n'importe où, ok. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc ici, il y a une lampe à huile rouge, elle est éteinte. Tac, on l'allume. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Un petit signe d'œil. Donc ça, faut s'en rappeler. Oui, ça signifie quelque chose, mais on sait pas encore. Donc ça, c'est bon, c'est allumé. Il y a deux autres bougies, sauf que là, l'araignée qui est devant, elle va me gêner. Alors je vais essayer de la buter, parce que là, apparemment, elle a l'air de bugger. Donc faut en profiter au maximum avant qu'elle me gerbe sa merde dessus, là. Allez, ramène-toi, là. Elle bouge ou pas? Ah, ça y est. Merde, je suis trop loin. Oh, et... Ah bah là, elle va forcément envoyer de sa merde, là, son venin à la con. Ah, mais elle est chiante à reculer. Bon, je vais la chauffer au flingue, sinon on va prendre 10 ans pour une araignée à la con. J'aurais dû la laisser où elle était, celle-là. Parce que normalement, je crois que quand on l'attaque pas, elle reste où elle est. Bon, voilà, c'est bon. De toute façon, elle est pas très résistante. Hein. On peut les faire uniquement au flingue. Je crois que ça demande 3 ou 4 balles, il me semble, mais pas plus. Hein. Elle demande vraiment pas beaucoup de balles. Elles sont vraiment très très peu résistantes. Mais après, comme je vous dis, hein, si on peut les économiser, hein, autant le faire. Hein. Pas compliqué de foutre des coups de couteau. Donc là, un autre œil. Donc là, par contre, il n'y a que deux cils. Que l'autre, il y en avait trois au-dessus et un en dessous.
Donc celui où il y en a 3 et 1, c'est rouge. Là, il y en a que 2, c'est vert. Donc ça, faut mémoriser aussi. Et le dernier, de toute façon, c'est là, je crois. Tac. Et celle-là, c'est un œil sensible, ok. Donc ça, c'est bon. Et pour le reste, bah, je crois que c'est bon. Ouais, il y avait de toute façon, il y a que 3 boutons, il me semble, pour l'énigme. Ouais, des billes de billard, 2, 3, 4, 5, 6. L'ordre semble n'avoir aucune importance, mais 3 petits points. Alors, je sais pas si c'est un clin d'œil à l'original, parce qu'il y avait cette histoire-là avec le code qui ne fonctionne pas. Enfin, l'histoire du code qui est censé ne pas fonctionner. Mais je pense que c'était pas pour le. À moins que c'était une énigme qui voulait faire, mais c'est. Moi j'appelle pas ça un bug. Il y en a qui disaient que c'était un bug. Je vous en avais parlé hein, dans l'original, l'histoire du code du billard qui ne fonctionnait pas pour l'espèce de. Bah, de salle où on prépare l'UMB là. Enfin le J-Volt. Mais à mon avis. Enfin, c'est J-Volt ou le V-Jolt? À chaque fois je me trompe. Bref, le choc V ou je sais pas quoi. C'est en français, je crois que c'est ça, c'est le choc V. Et ben voilà, du coup je sais plus ce que je voulais dire, voilà. Force de. Ah merde putain. Oh! Ah voilà, forcément. Comme un con je descends là, je voulais monter moi, mais bon. Voilà, c'est triste. Hop. Bon ça va, j'ai pas perdu de vie, mais. Comme ça vous avez vu ce que ça faisait, mais moi comme un con je descends au lieu de monter. J'étais trop proche du bord. Alors ici on entend des bruits. Mais ces bruits-là, on va éviter de trop s'en occuper, justement. Je vais reprendre mon flingue, parce que je sais plus s'il y a des zombies à proximité. Donc on entend plein de bruits de guêpes, donc ça devrait vous rappeler quelque chose. Ah, il y a des journaux qui traînent, ils parlent tous des stars. Ça, c'est intéressant à voir aussi. Donc c'est là-bas, je crois, il me semble. Ah non, c'est encore dans l'autre couloir, mais on va pas y aller. Enfin, je vais y aller, mais je vais pas appuyer. Donc, vous voyez, il y a un trou avec une feuille, mais je ne vais pas appuyer parce que si on fait ça, vous entendez le bruit que c'est, hein, c'est des guêpes, hein, c'est un peu comme dans le. Ah merde, il y a une vidéo, j'ai oublié. Voilà, Jill surprend une conversation, je pensais pas que c'était directement maintenant. Il semblait que c'était un petit peu plus loin, mais non. Jill. Barry, I heard someone talking. Oh, you heard. I think age is starting to take its toll. Talking to myself is becoming a bad habit. Talking to yourself? You all right? What's gotten into you? I'm getting you worried, aren't I? But don't, I'm all right. I guess this creepy mansion has gotten to my nerves. Anyway, I think I'll go outside, get some fresh air for a change. Don't worry, I'm just going to get some fresh air. If I'm lucky, I'll get to waste some monsters along the way. Voilà. Bon, du coup, ça m'a coupé. Je sais plus ce que je voulais dire. Déjà, je me fais couper. Enfin, je me coupe moi-même. À force de toujours argumenter pour dire souvent de la merde. Je me coupe moi-même au niveau des caisses. Et là, je voulais dire un truc avant la cinématique et je sais plus. Alors, rapport sur la plante 42. 4 jours se sont écoulés depuis l'accident. La plante 42 a connu une croissance fulgurante. Bien que l'on sache peu de choses sur cette plante, on peut dire que le virus T a eu sur elle un effet beaucoup plus important que sur les autres groupes de plantes. Le virus T a totalement transformé l'anatomie et la taille de son hôte. Compte tenu de son état actuel, il est difficile de savoir de quelle sorte de plante il s'agissait à l'origine. On ne trouve rien de semblable dans la nature. La plante 42 se nourrit de deux façons. Sa première source d'alimentation provient de ses racines qui vont jusqu'au sous-sol. Immédiatement après l'accident, l'un des scientifiques a perdu la tête et a détruit le bassin circulaire. Maintenant, le sous-sol est inondé. Il y a de grandes chances pour que l'eau
et contenu une substance chimique qui a provoqué la formidable croissance de la plante 42. Nous devons cependant déterminer de quel composant il s'agissait. Une sorte de bulbe, le corps de la plante 42, pend du plafond du rez-de-chaussée. Il ne fait aucun doute qu'elle a atteint le rez-de-chaussée par les conduits d'aération. De longues lianes ressemblant à des tentacules partent du bulbe. Nous pensons que ces lianes constituent la seconde méthode d'alimentation de la plante. Lorsque la plante 42 détecte une proie, elle la capture à l'aide de ses tentacules. Ensuite, les ventouses de la liane sucent le sang de la proie. Nous nous sommes également aperçus qu'elle est douée d'une... forme d'intelligence. Elle enchevêtre ses lianes autour de la porte pour empêcher toute intrusion lorsqu'elle capture une proie ou qu'elle est en période d'inactivité. Malheureusement, plusieurs scientifiques ont été tués par la plante 42. Les survivants racontent tous la même chose. Lorsque les pétales uniformes qui la recouvrent s'ouvrent et révèlent ses organes vitaux, la plante devient alors plus agressive. Un témoin a raconté qu'elle semblait essayer de se protéger. Nous ne savons toujours pas à quoi est dû ce comportement. Le 21 mai 98, Henri Sarton. Donc ça, c'est le fameux rapport, hein, on connaît, dans l'original, c'était pareil. Donc ils savent vraiment pas de quelle plante c'était à l'origine, puisque c'est un accident, et ils ont vu qu'elle avait grossi d'un coup, donc ils ont pas pu savoir de quelle plante ça venait. Mais ils essayent quand même d'étudier son comportement pour éventuellement créer des monstres à partir de ça. Donc les monstres qui sont créés à partir de la plante 42, on en a déjà vu dans le Darkseid. Mais Darkseid se passe après le Rebirth. Donc là, en théorie, il n'y en a pas qui existent. Mais on en verra évidemment dans Resident Evil 2. Donc on dirait que quelqu'un a vomi du sang sur certains journaux. Donc là, je sais pas s'il y a des choses à prendre. Non. Alors. Ça, on pousse. Voilà. Faut quand même que je vérifie. Ouais, j'ai quand même tout pris, mais dans le couloir, il reste des choses. Mais je pense que les choses, je les prendrai après. Ouais, donc c'est ça que je disais tout à l'heure. Là, ça me revient, parce que j'avais oublié. L'histoire des guêpes, c'est pareil que dans l'original, mais c'est un peu différent. Il y en a aussi dans le couloir. Et si on ouvrait le... Enfin, il y avait un document sur le mur. Et si on le prend, derrière, il y a un trou. Et justement, les guêpes viennent nous faire chier après. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ne pas le prendre. Je le ferai après. Donc on va d'abord aller dans la salle de bain, je sais pas s'il y a un zombie ici. Parce que là j'ai tendance un petit peu à brûler les étapes si on peut dire. Alors, la salle de bain, qui elle est un petit peu inondée. Et il y a un zombie, ok. Et lui débarque comme ça, normal. Putain, fumier. Ah, attendez, ouais j'ai un taser donc je vais m'en servir. Ça, tu vas crever comme une merde. Là, ça, par contre, je me rappelais plus qu'il y avait un zombie qui débarquait ici, parce qu'il n'y en avait pas dehors. Donc, là, c'est vraiment pour faire flipper le joueur. Donc, là, il y a un poignard. Ah non, la clé de la résidence, ok. Je pensais qu'il y avait un poignard. Il n'y a rien d'autre, pas dans le lavabo, parce que dans le lavabo, dans l'original, il y avait quelque chose, mais là, il n'y a rien. Ok. Et sûrement dans la baignoire, il doit sûrement y avoir quelque chose, je pense. Non ? Pas de commentaire, que dalle. Alors ça, c'est étonnant. Est-ce qu'il reste de l'eau dedans? Mais apparemment, il n'y a rien. Ok. La chasse d'eau fuit. Ouais. Bon, enfin, bref, tout fuit là-dedans. Il faudrait vraiment qu'il y ait un plombier qui se ramène. Enfin, s'il a l'audace de venir, vu qu'il y a des zombies un peu partout. Donc ça, c'est la clé de la pièce numéro 1. Donc ça doit être dans la numéro 1 qu'il y a la fameuse clé. La clé que je voulais prendre dans cette baignoire. Donc là, ça y est, on a de nouveau la musique qui reste fidèle à l'original, ça fait plaisir. Je sais pas si c'est remis en place les trucs. Non, c'est bon. Donc ça, je vais descendre, mais juste après. Je vais d'abord ouvrir la chambre numéro 1. Parce que sinon, ça me fera un aller-retour inutile. Donc là, on voit sur la porte, il y a des vieilles traînées de sang. Ça met de l'ambiance. Donc là, c'est pareil, il y a un autre endroit où on ira après. Je préfère d'abord aller en bas. Donc les décors sont quand même beaucoup plus détaillés que dans l'original, hein, forcément. Technologie oblige, on va dire.
Ce dans l'original, c'était la part du temps, bah, c'était juste des murs comme là, quoi. Il y a juste des planches, point barre, il n'y avait rien d'autre que là. Il y a quand même des petits meubles avec des décorations, des cadres, des documents et compagnie, quoi. Donc on utilise la clé ici. Enfin, si je suis dans le... Ouais, j'étais en face pourtant. Tac, on n'a plus besoin de la clé. Alors ici, par contre, il y a sûrement du monde, je pense. Ah non, c'est vrai, pas maintenant, je crois. Oui, il y a un pendu, ok. Donc, il y a un zombie qui est pendu, normal. Alors, il doit y avoir un document qui explique, je pense. Donc, les munitions, c'est cool. Un petit truc qui brille. Ah oui, donc ça, c'est le pistolet d'autodéfense. Et voilà, lettre de suicide. Le 22 juin 98, 21h30, je n'avais pas le choix. Nous avons essayé d'échapper à ces monstres en nous serrant les coudes pour survivre. Mais Robert commençait à présenter les symptômes. Je n'avais pas le choix, ces créatures sont l'œuvre du diable, il n'y avait pas d'autre issue. Il aurait fait la même chose à ma place. J'ai mis fin à ces souffrances et j'ai dû l'abandonner dans la salle de bain. Je suis sans doute le dernier maintenant. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver ? Je ne me pardonnerai jamais d'avoir fait partie de ce projet, mais je sais ce qui m'attend. Il n'y a aucun moyen de s'échapper de cette maison de fous, ce n'est plus qu'une question de temps. Tout est prêt, il ne me reste plus qu'à rassembler le courage nécessaire pour passer à l'acte. Le plus dur est de penser à tous ceux que je n'ai pas eu le temps... d'accomplir. Mais je préfère encore mourir que de devenir l'une de ces créatures, j'espère que tu comprendras. Je veux mourir dignement. Il y a un message au dos. Linda, pardonne-moi. Ok. Donc voilà, il s'est suicidé en se pendant et son collègue, en fait, il l'a buté avec le flingue d'autodéfense qu'on a récupéré. Et en fait, c'est un pistolet à deux coups, normalement. Et c'est pour ça, en fait, il a tué son pote avec une balle et... Voilà, un coup a déjà été tiré. Et puis l'autre balle, bah, elle va servir sûrement pour nous. Donc on peut s'en servir un peu quand on veut, en fait, parce que c'est pas... C'est une arme, en fait. Il y en a qui disent qu'elle est puissante, et d'autres, non. Alors, personnellement, je dirais pas qu'elle est spécialement puissante. Et surtout qu'en plus, ils disent que c'est un calibre 22, donc 22 long riff, normalement. Donc c'est 22 long riff, si vous connaissez pas ce calibre-là, c'est tout petit calibre, c'est des toutes petites balles. Donc en réalité, c'est une arme de merde, entre guillemets. Après, on est dans un jeu, donc je connais pas la puissance réelle de l'arme. Mais en réalité, c'est un petit flingue de merde, hein. Ça, c'est ça qu'il faut se dire. Même le flingue de base est plus puissant. Donc. Voilà, qu'est-ce qu'on entend ? La corde qui lâche. Donc le zombie est tombé. Enfin, le mec qui a voulu se suicider, apparemment, est tombé. Donc on récupère la petite clé. Donc c'est ça que je voulais récupérer tout à l'heure. Donc lui, il se réveille, t'es gentil, mais j'ai pas envie de te voir. Et l'autre aussi va sûrement me faire chier à la sortie. Ah, il est pas encore devant moi. De toute façon, là, il n'y a plus rien à faire, je pense. Je regarde la map, mais... Au pire, non, c'est bon, il n'y avait plus rien, donc c'est bon. Comme ça, je suis parti sans louper quelque chose, quoi. Donc ceux-là, on les tue pas, on s'en fout. De toute façon, on n'y reviendra pas dans cette pièce-là. Donc ça, c'est bon. Et d'ailleurs, ce passage-là me fait un peu penser à Resident Evil Dead Aim. Donc c'est le Gun Survivor 4, si vous ne connaissez pas. Et ça se passe dans un bateau. Et au début, justement, il y a une chambre où on y va et il y a des mecs qui sont pendus comme ça. Donc ça me fait penser un petit peu à ça, mais il est sorti après celui-là. Je crois qu'il est sorti en 2004 ou en 2003, je crois, faudrait que je vérifie. Donc on a récupéré ça, du coup, et ça, c'est le plus important. Cette clé permet d'entrer dans la salle de contrôle. Voilà. On ne sait pas de quelle salle de contrôle il s'agit, mais on saura prochainement. Vous inquiétez pas. Donc là, je vais poser un petit peu de matos. Parce qu'il y aura pas mal de choses à prendre. En vrai. Donc ça, je vais le laisser là, parce que ça va me prendre de la place pour rien. Surtout que s'il est vide, il sort pas de notre équipement. Donc forcément, ça prend vraiment de la place pour rien, quoi. Puis un coup, voilà, quoi. C'est pas non plus très utile. Du coup, le couteau, j'en suis pas trop servi contre les zombies. Enfin, après, j'en ai pas tué 10 tonnes depuis que je suis là, mais...
J'aurais dû y penser. Donc non, cette clé-là, je la garde. Ça, je dégage. Et ça... Bah, je vais dégager aussi, parce que normalement... Normalement, je vais en trouver, donc... Ah putain, il n'y a plus de place, hein. Bon, je vais mettre ça en bas. Ou à la place de ça, tac. Hop, voilà. Parce que... Attendez, je suis à combien de minutes? Ouais, je vais sauvegarder au cas où. Mais normalement, ouais, j'ai pas besoin de soins, parce que dans l'original, je sais qu'il y a quand même pas mal de soins qui m'attend en bas. Donc là, ça sera un peu différent, mais il me semble qu'il y a quand même du soin. Donc je vais pas m'embêter à prendre plein de trucs pour être plein à ras-bord. Et surtout que s'il y a des choses à prendre en bas, j'ai pas envie de faire des allers-retours, quoi. Donc tac, on écrase. Donc 10e sauvegarde, et on est au 6e chapitre. Donc ça va, c'est plutôt... Bon, je sauvegarde un peu plus que l'original, puisque je le maîtrise forcément moins, comme je vous ai dit. Vu que les zombies, déjà, sont moins simples à esquiver. Bon, après, j'ai quand même beaucoup de soins de côté. Mais vu que je les prends pas forcément sur moi, bah, je m'expose un peu au danger, même si, globalement, je maîtrise la situation, comme d'habitude. J'y vais pas non plus en suicidaire, mais... Mais voilà, faut mieux sauvegarder quand même, hein, parce que si je meurs, évidemment, je me retape tout, donc ça serait quand même un peu con. Donc si j'ai des rubans encreurs, faut bien s'en servir. Donc là, du coup, on va aller au sous-sol. Donc vous connaissez l'histoire. Alors peut-être qu'avant, je pourrais faire l'énigme ici, remarque. Ah non, c'est verrouillé, d'accord. Ouais, donc faut d'abord que j'aille choper la clé, quoi, forcément. Non, c'est pas là. C'est ici. Alors je sais pas s'il y aura des zombies du coup. Parce que quand il y avait Barry, forcément il y a personne. Mais quand on y retourne, apparemment c'est bon, il y a personne, tant mieux. Donc je descends. Donc là ça va être pareil que dans l'original. Il y a un long couloir. Et il faut bouger des caisses. Par contre là ils sont un peu plus sympas, parce que les caisses sont quand même plus proches. Donc c'est plutôt gentil de leur part. Donc vous voyez, les caisses sont vraiment pas loin, ça évite de se taper tout le couloir, quoi. Donc ça c'est plutôt cool de leur part, je trouve. Donc toujours la même musique, hein. Un petit peu remixée pour l'occasion. Donc ça, plouf, c'est bon. Tac. Donc il n'y a pas grand chose à dire dans ce genre de cas, c'est magnifique, on pousse des caisses, quoi, c'est... voilà. Faut attendre. Donc évidemment c'est long comme toujours. Hop. Et la dernière. Donc celle-là elle est pas loin, ça c'est quand même cool. Donc en plus elle est bien poussée dans le bon sens, il y a juste la pousser tout au fond et puis la repousser une fois et c'est bon. Parce que l'autre, fallait pousser au bout d'abord, la décaler et après la ramener. C'était vraiment beaucoup plus long, quoi. Donc là, c'est vraiment sympa. Donc normalement, la porte qui était là, elle n'existe pas dans le jeu original, mais là, de toute façon, elle est fermée. Voilà. Donc on reviendra par ici après. Et vous allez voir qu'il y a eu pas mal de changements dans la salle suivante. Là, on ira où c'est censé être inondé. C'est assez différent. Voilà, c'est bon. Alors j'espère que je me ferai pas buter. Parce qu'évidemment, comme vous le savez, il y a un requin. Mais ouais, donc vous voyez, il y a du soin. Bon, il n'y a qu'une plante. Par contre, là, ils sont radins. Hein, parce que dans l'autre, il y en avait deux, je crois. Ah bon, c'est toujours ça de prix, on va dire. Donc ouais, là, je sais plus comment ça se déroule au niveau du requin. Donc j'espère que je vais pas avoir de misère. Bon, il y a les petits sûrement qui vont essayer de me choper. Mais bon, normalement, ça devrait aller, mais on ne sait jamais. Alors, je regarde la carte. Donc là, tout est vert, donc il n'y a rien à prendre. C'est bon, j'ai pas besoin de me faire chier. Donc moi, faut que j'aille là-bas. Ok. Ah, donc forcément, il y a du requin. Bon, ça y est, il commence à m'enchaîner, là.
vais déséquiper mon arme parce que sinon je vais pas avancer vite. Putain, en plus, la vie, merci quoi. J'espère qu'il y aura. Ah, il me semble qu'il y a au moins un kit de soins là-bas, donc ça va. Donc il faut que je me dépêche. Bon, ça va déjà, je cours plus vite, donc c'est quand même cool. Et heureusement qu'ils avancent pas aussi vite d'ailleurs que dans la réalité, puisque dans la réalité ils fusent. Là on serait mort depuis longtemps d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est bon. Par contre, ouais, j'ai pas beaucoup de vie. Mais bon, une fois qu'on aura retiré l'eau, après c'est tranquille, mais bon. J'ai quand même eu chaud, hein. Pourtant j'étais en hockey, il me semble. Donc j'ai quand même bien morflé. Alors ici il y a un petit peu de tout, il y a pas mal de machines. À commander, mais je vérifie s'il y a rien à prendre parce que là c'est rouge, donc il y a des choses à prendre. Alors je sais pas où c'est parce qu'ils me disent que c'est rouge, mais le voyant lumineux d'avertissement indique que une urgence, ouais, c'est bizarre. Ils me disent que c'est rouge, mais je vois pas d'objet, même si c'est sombre. Je regarde là, mais il a l'air d'y avoir quelque chose. Pour eux c'est en bas, mais dans ce cas là ils devraient dire qu'en haut il n'y a rien quoi. En théorie c'est un peu bizarre. Putain, je commence à avoir mal aux dos à force de rester comme ça moi. Donc là oui c'est rouge, donc là c'est normal. Alors comment ça marche déjà ce truc là, parce qu'il faudrait pas que je me loupe. Donc ici il y a un petit kit de soins. Trousse de premier secours, on va l'examiner maintenant, voir ce qu'il y a dedans. Et je vais sûrement m'en servir, puisque là, je suis un petit peu dans le caca. Donc c'est un mélange d'herbes... Ouais, deux herbes vertes, donc c'est parfait. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage, vu que je suis pas en danger. Hop, voilà. Alors, donc ça, c'est bon. Donc ça, on va devoir y aller après. Donc là-bas, on s'en fout. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est là. Alors après, où est-ce qu'il est, le panneau de commande, je sais plus... Un volet de protection contre la pression, ouais. Allez, donc c'est pas ça, c'est un autre moniteur qui est là-bas, je crois. Non, bah ça doit être là, alors. Un message d'erreur Savage, machin. Ah oui, voilà, ça y est. Emergency. Unknown source of pressure detected. Locking all doors to achieve maximum safety. Tac. Voilà, donc là maintenant on peut baisser le volet, je crois. Hop, mais ça va bloquer, il me semble. Voilà. Donc forcément, on a vu qu'il y avait de l'huile là-bas, donc on va y aller. Donc on remet la pression. Ah oui, merde, c'est vrai, faut mettre le numéro... Oula, par contre, ça, je sais pas, moi. Numéro 1, peut-être. Non, c'est pas le bon. Bah, on va faire au pif, parce que ça, je me rappelais pas, par contre. Je sais plus quel numéro. Ah, ok. C'est peut-être pas forcément ce que je voulais faire. Quoi? Ah oui, c'est vrai, faut que j'enlève la sécurité, putain. Ça, par contre, ouais, cette énigme-là, je me rappelle plus l'ordre. Tac, voilà. On se dépêche, parce que lui, il attend pas le requin. Alors, est-ce que ça va être bon? C'est bon. Bon, ça va. Ouf. Tranquillou. Donc ça, c'est bon. Parce que là, ouais, je me rappelais plus quand j'ai vu les numéros, je me suis dit, merde, c'est lequel déjà? Mais bon, ça va, ils nous laissent quand même de la chance, c'est pas des crevards, ils nous laissent pas nous faire buter en deux secondes. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de s'énerver contre le truc en tôle, non? Ah, tu peux t'énerver si tu veux, tu risqueras pas de le péter. Il n'y a pas d'objet à prendre là, rien du tout. Ah bah si, il y a des choses. Ce n'est pas le moment. Pourquoi? Bah normalement c'est bon. Ah, faut peut-être enlever la pression de l'eau, j'ai oublié. Moi. J'ai oublié ce détail, quel con. Ça c'est le plus important, oui. Bah oui, forcément.
Si j'enlève pas l'eau, il va continuer à se balader. Donc, de toute façon, après, il y avait les barrages, mais bon, on ne sait jamais, il serait capable de nous agresser. Allez, j'ai oublié l'essentiel, moi, tiens. Ah ouais, parce qu'il me semblait bien aussi qu'il n'y avait pas d'alarme, normalement, mais je me suis dit, bon, c'est peut-être normal. Je me rappelais plus trop, mais c'est assez marrant. Donc, là, c'est vert, donc il n'y a plus rien à prendre. Donc, vous voyez, c'est un petit peu modifié, l'appareil. C'est comme je vous disais dans un épisode précédent, avec l'horloge, où il y avait une petite énigme en plus. Vous savez, avec les deux épées et les aiguilles qu'il fallait mettre dans le bon sens. Tout ça, c'est des petits trucs qui rajoutent par rapport aux énigmes de base. Là, c'est pareil, dans l'original, il y avait juste un levier à baisser, point barre. Quoi. Que là, il nous rajoute des pressions d'huile, machin, des barrages et tout. Donc, c'est un peu plus complexe, quoi, disons. Alors ici, je sais plus ce qu'il y a. C'est où, ça? Ah oui, là, il y a pas mal de bordel, je crois. Il y a des objets à prendre, il me semble, non? Ouais. Alors, des munitions de pompe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout? Ouais, si, merde, ils sont radins. Donc, de la dynamite, on s'en fout. Là, je sais plus ce que c'est. Je me rappelle plus de ce truc-là. Ah bah si, bah oui, c'est bon. Bah, je suis sur la bonne voie, oui. Oui, parce que je pensais qu'il fallait retourner en haut, je me rappelais plus. Donc, faire attention au requin. Je sais plus s'il peut nous attaquer, mais bon, faut éviter de faire le mongol et s'en rapprocher, quoi. Ça sera un peu bête. Par contre, lui, il est un peu sur le chemin, parce que là... On va essayer de passer sur le côté, mais je sais plus s'il réagit ou pas. Non, c'est bon. La chance. Par contre, là, il va réagir, il me semble. Alors ici, c'est tout bête. Il me semble qu'il faut pousser ça. Non, il a pas envie, pas maintenant. Ah, voilà. Ah, voilà, donc c'est ça qui nous force justement à nous en débarrasser. Donc monsieur nous a fait tomber le truc qui brillait, donc on sait pas encore ce que c'est. Donc nous on va pousser ça, un tableau de commande, et on va activer l'électricité, et il va se faire juter. Voilà, il est mort, donc c'est un taser géant spécial requin. Donc c'est bon, et maintenant on va récupérer la clé. Enfin, là, je spoil parce que normalement, c'est pas ce que c'est. Et moi, je vais récupérer la clé. Donc forcément, ça spoil un peu, mais bon, pas bien méchant. Et puis, c'est tout. Vu que c'est vert, il n'y a rien d'autre à prendre. Donc voilà, du requin cramé. Si vous avez jamais goûté, bah, c'est l'occasion. Donc lui, par contre, il est pas cramé, hein, celui-là. Mais il nous fera plus chier puisqu'il n'y a plus d'eau. Donc ça, c'est bon. Donc finalement, ça s'est très bien passé. Bon, il y a juste au début, je me suis fait accrocher par un requin, mais ça va, quoi. C'est pas non plus... Il n'y a pas mort d'homme, hein. De toute façon, je suis pas mort, donc c'est bon, quoi. Donc là, c'est pareil. Donc je peux remonter, c'est bon, il n'y a rien d'autre à faire. Donc cette clé-là, on va l'examiner quand même avant. Qu'est-ce qu'il y a? Rien à... Clé de la résidence. Ah voilà, le mot galerie est inscrit dessus. Donc on va pouvoir y accéder... Et là-bas, j'y ai pas encore été, donc ça me ramène en haut. Mais est-ce que je peux remonter? Je vais quand même remonter, voir. On ne sait jamais, il y a peut-être des choses en haut à récupérer. Je sais plus si c'était en vert ou pas. À moins qu'on peut regarder direct. Bah oui, il y a une pièce, donc oui, je vais quand même y aller, on ne sait jamais. Il y a peut-être des trucs utiles. Des munitions, un truc comme ça. Parce que là, sinon, on peut s'en aller de l'autre côté. Ça nous donne accès, justement, à la fameuse porte qui était fermée dans le couloir avec les trois caisses, il me semble. Donc, on va y aller après, mais... juste avant, je vais voir ce qu'il y a dans l'autre pièce. Parce que ça, je sais plus du tout. Parce que là, je visualise très très bien la pièce dans l'original. Où il y avait deux cartouchières, justement, de fusil à pompe. Mais là, je rappelle plus du tout ce qu'il y a là-dedans. Mais il y aura sûrement plein de munitions. Parce que dans l'autre truc, il y avait aussi une clé, je crois. Enfin, il y avait un peu de tout. Ah oui, d'accord, ok, c'est là où il y a les racines. Ah oui, donc ils ont carrément jarté la pièce où il y avait les... Ah,
Plus de batterie, 14%. Tac. Bon, déjà, je suis à 40 minutes. Putain, ça passe super vite. Je fais vraiment pas attention. Bon, il n'y a pas grand-chose à prendre, je pense. Ouais, donc il n'y a rien à prendre, donc tant pis. On peut pas fouiller, quand même. C'est vrai que les chances, c'est quand même frustrant de se dire il n'y a rien alors qu'il y a plein d'objets, quoi. C'est ça qui est con. Bon, comment on sait où sont les racines? Mais là, je pense que bon, je vais pas me faire chier avec Jay. Puisque je le ferai avec Rebecca, donc exceptionnellement. Là, je l'avais fait dans l'original, mais bon. Là, je vais pas m'embêter, hein. Je vais me laisser aider par Barry. Je vais faire un petit peu le feignant, on va dire. Donc, on descend. Et on passe par le passage que j'ai dit, hein, donc le petit raccourci. Donc là, ça va finalement, niveau soin, bah, j'avais bien calibré le truc, hein, parce que je savais qu'il y aurait du soin sur place. Donc c'est bon, impeccable. J'avais pas besoin de plus de soins. Bon, après, il n'y avait pas d'autres objets à ramasser, donc j'aurais pas été gêné par ça. Mais voilà. Alors peut-être ici, il y aura quelques munitions, je sais pas. Je me rappelle plus du tout. Ah si, un baril et une magnum, ça c'est cool. Tac. Il y a peut-être d'autres trucs. Ah non. Putain, ils sont radins, c'est pas possible. Et donc, le raccourci, donc en prenant l'échelle. Ah oui, il faut faire le tour, ok. Tac. Donc la grande échelle. Et la petite porte qu'on déverrouille et on se casse. Donc là, le reste, bah, on fera ça dans la vidéo suivante parce que, ouais, 41 minutes déjà. Attends, ça passe super vite. Hein. Quand je suis à fond dedans comme ça, je vois pas du tout le temps passer, quoi. Mais en tout cas, ouais, on avance plutôt pas mal. Hein. On a fait quasiment... Bah non, on n'a pas fait toutes les chambres. On a fait la chambre 2, la première. Il reste la chambre 3 et la galerie. Et puis évidemment, la plante 42. Forcément. Donc ça, on fera ça bah, vite fait dans l'épisode suivant. Ça fait un peu comme dans l'original, puisqu'avec Chris, j'avais pas eu le temps de me débarrasser de la plante 42 dans le chapitre. J'avais décidé de le faire en chapitre d'après. Et ça revient à peu près au même, finalement. Après, c'est peut-être pas le même chapitre. Parce que ça sera le chapitre 7, donc avec Chris, je sais pas si c'était chapitre-là. Mais en tout cas, je termine à peu près sur le même truc, quoi. Donc juste avant la plante 42, il y aura l'énigme aussi avec le livre, que je vais mettre ça dans l'inventaire direct. Comme ça, je vais pas zapper. Alors, la salle de sauvegarde. Donc ouais, franchement, là, j'ai bien avancé quand même. C'est plutôt pas mal. Tac, alors... Les magnums, on n'y touche pas. Donc la galerie, c'est bon. Le livre, on va le prendre. Les munitions de fusil, bah autant que je le prenne parce que là, je vais en avoir besoin de toute façon. Quoique... Je sais plus s'il y a des zombies en fait. Non, je vais garder le flingue, mais j'ai utilisé le lance-grenade avec les incendiaires pour la... La plante 42, ça va être plus simple. Tac. Alors, on combine ça. Hop, voilà. Donc, les grenades normales, on les laisse sur place. Et puis, bah, là, je crois que c'est bon. Hein, on est équipé pour le reste. Je prends quand même le flingue, hein, comme je vous dis, parce que je sais vraiment plus si... Il peut peut-être y avoir un ou deux zombies. Je sais qu'il y en a par terre qui font semblant d'être morts, ou qui sont morts tout court. Mais vu que je suis pas trop sûr de moi, je préfère prendre le flingue au cas où pour la suite. Et puis voilà, on va sauvegarder. Pour l'instant, impeccable. Tout se passe très bien. Hop. Donc voilà. Bon, je pense que moi, je vais m'arrêter là. Je vais pas refaire de vidéo derrière. Après, ça va être juste niveau temps, je pense. Donc, en tout cas, bah, j'espère que ce chapitre vous a plu, comme toujours. N'hésitez pas à commenter. Je pense qu'il y a quand même, de quoi dire hein, sur ce jeu. Donc, je dis ça, mais en fait, je sais même pas si vous allez commenter
le walkthrough, enfin s'il sera bien commenté en tout cas, puisque vu que c'est en avant, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, comme je vous dis, n'hésitez surtout pas à commenter si vous avez des conseils à donner ou quoi que ce soit. Je l'avais dit dans un chapitre précédent, mais n'hésitez surtout pas, parce que même si, comme je le fais en avant, s'il y a des gens qui passent par là, qui en ont besoin, ou même pour moi, de toute façon, comme ça, si vous me donnez des conseils. Parce que par exemple, les grenades, là, ça vous fera un petit, une petite question au niveau des commentaires. Les grenades, je sais plus lesquelles sont les plus puissantes. Pour la plante 42, donc je pense que c'est les incendiaires parce que c'est une plante justement. Mais après contre Yon, je sais plus si c'est... Enfin les explos normales font aussi très bien leur travail, hein, mais il me semble qu'il y en a qui sont plus ou moins plus puissantes selon les monstres. Donc par exemple ça, si vous avez vraiment la réponse, mais si vous êtes sûr, hein, c'est juste éventuellement, c'est pas la peine de mettre des rumeurs, quoi, je veux dire. Si vous êtes vraiment sûr de savoir, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ce truc-là, je me trompe souvent, je sais pas, régulièrement, je sais plus si c'est tel ou tel type de grenade qui est la plus puissante pour tel ou tel type de monstre. Donc voilà. Donc fini le blabla, parce que là, 9% de batterie, donc n'hésitez pas à commenter, puis je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez, à plus!